Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Pour terminer la saison avant l'été, puisque vous retrouverez sur juillet et août le meilleur de Sous la canopée, je vous propose un voyage dans l'inconnu en deux étapes. La découverte d'un territoire et d'un écrivain de génie, tout d'abord, et la semaine prochaine, une lecture d'un texte tiré de son ouvrage. La planète est un bouquet de paysages, déserts, forêts, océans, montagnes et bien d'autres visions d'extase. Alors partons ensemble dans un voyage initiatique. Un voyage sur un territoire où toutes les saisons peuvent se manifester en une seule journée et où notre insignifiance est absolue. Situé en Argentine à l'est et au Chili à l'ouest, incluant une partie de la cordillère des Andes, la Patagonie est une terre de mystères, de mille mirages et d'immensité. Sa superficie est d'1 million de kilomètres carrés et la moins peuplée du monde. Habitée depuis plus de 10 000 ans par des peuples autochtones comme les Mapuches, la région a été découverte par l'Italien Antonio Pigafetta en 1525, seul rescapé des 18 membres d'équipage de l'équipe Magellan. Décrivant sa rencontre avec un autochtone géant au grand pied, la région sera ainsi nommée Patagonie. Un autre récit existe cependant, le terme patane en espagnol signifiant pato, affublant les autochtones de ce comportement. Décidément, le colonisateur a toujours un choix des mots dépréciatifs pour qualifier celui qui ne lui ressemble pas. Ce territoire, par son climat rude, a ainsi empêché une colonisation trop rapide, même si aujourd'hui, la plupart des Patagons sont métissés. Côté cordillère des Andes, un spectacle de montagnes aux sommets volcaniques, de glaciers, de grands lacs et de forêts australes au bois d'Araucaria. Le panorama est désertique, avec de rares pumas, de gatos ou ignas, et ours, des vigognes, des chinchillas et des buissons résistants à l'aridité avec de nombreux cactus. Au niveau des côtes patagoniennes, il semblerait que les grands de ce monde se soient donné rendez-vous, avec une multitude d'oiseaux, de mammifères marins comme les colonies de manchots, lions de mer, otaries ou encore éléphants de mer. Dans les eaux subantarctiques, la baleine bleue ainsi que les orques viennent s'y reproduire. Ainsi, parcourir la Patagonie, c'est voyager en submersion dans les espaces sauvages et périlleux, au contact de nuées d'animaux plus spectaculaires les uns que les autres. La Patagonie détient également la ville la plus située au sud de notre planète, baptisée Ushuaia, province de la Terre de Feu. Sur place, l'activité principale des habitants est l'élevage de bétail, effectué par des cow-boys appelés les gauchos sur des estancias, immenses fermes pouvant atteindre jusqu'à 20 000 hectares, et le travail de la laine mérinos y est aussi présent. Cependant, pour découvrir avec émerveillement cette partie du monde, autant l'observer avec le regard de celui qui croise ces paysages et en tombe éperdument amoureux. William Henry Hudson, naturaliste, va découvrir ce vaste territoire dans les années 1870. Ses parents d'origine anglaise décident de vivre l'aventure américaine à la recherche d'or en s'installant dans le Mississippi, mais très rapidement, ils décident de descendre au sud et de s'installer dans la Pampa près de Buenos Aires. Le petit William voit le jour. Enfant, c'est un fou de nature. Il parcourt de vastes étendues à cheval,
toujours plus assoiffé de nouveaux paysages. Il est déjà très bon observateur. Fasciné par les serpents, les crapauds, les chauves-souris ou encore les daims, sa passion pour les oiseaux va débuter lors de sa rencontre avec des oiseaux hauts en couleur, les perroquets de Patagonie. Ses années d'enfance et d'insouciance vont pourtant s'achever à 16 ans. Atteint brutalement d'un malaise cardiaque et de crises aiguës de rhumatisme articulaire, le médecin est formel. Il n'est plus qu'un mort en sursis. Ses années d'enfance où il jouait le gaucho s'achèvent d'autant plus que l'année suivante, sa mère décède, l'emportant dans une grosse dépression qu'il va traverser difficilement. Cette tragédie va pourtant l'amener à reconsidérer sa vie et saisir une occasion dont il ne se serait jamais douté. Dès lors, il devient le errant, le flâneur, le savant, et par la suite un écrivain de génie. Attiré par les oiseaux qu'il observe au quotidien dans leur comportement, langage ou encore morphologie, notifiant par écrit tout ce qu'il peut remarquer, il décide de partir pendant une quinzaine d'années à la rencontre des paysages de Patagonie, des gauchos, des Indiens, défiant tous les dangers pourvu qu'il puisse s'immerger dans ces espaces encore intacts où l'homme n'a encore jamais foulé la terre. Par ses travaux, il décide de contacter le Muséum d'Histoire Naturelle de Buenos Aires. Celui-ci va lui permettre d'entrer en contact avec des spécialistes en ornithologie de Londres. Autodidacte, il va ainsi participer à la découverte de nouvelles espèces et fera des envois réguliers de spécimens à Londres. Lui qui, après ses malheurs de jeunesse, ne pensait plus être que le reflet de ce qu'il aurait pu être auprès de sa famille, il trouve sa voie. Il entrera également en contact avec Darwin, un de ses contemporains, qui lui aussi avait visité la Patagonie. Dans sa méthode de travail, il se fiche de ce qui jusqu'à présent avait fasciné les explorateurs, comme l'origine des légendes sur les géants patagons, le lac de Trapalando, que l'on disait gardé par les esprits, ou la cité perdue de Manoa, tant cherchée par Francisco Pizarro. Son rêve, les cieux immenses et les oiseaux. Sa mission scientifique d'observation sera un véritable succès. Mais dans ce contexte d'immensité, une autre recherche a lieu, une expérience plus intérieure qui sera pour lui décisive. Un malencontreux accident, une balle tirée dans le genou, l'immobilise et l'oblige à devenir simple contemplateur dans un endroit désertique où seule l'immensité des paysages offre le change. Dans son livre « Un flâneur en Patagonie », il nous dit, parlant des paysages, « Chaque jour, je retournais dans ces solitudes. J'y allais le matin, comme à une fête, et je ne l'ai quitté que lorsque j'y étais forcé par la faim, par la soif et par le déclin du soleil. Et pourtant, je n'avais aucun but. Le temps était triste. Le paysage lui-même ne présentait rien qui pût réjouir l'œil. L'aridité du paysage désolé, simplement parsemé de quelques buissons, devenait une obsession pour lui, frappant son imagination. Pourtant, Darwin interprète ce phénomène par son obstination à rester en de tels lieux, des lieux vastes et non accidentés, permettant l'imagination. Cependant, pour Hudson, ce n'est pas le fait de l'imagination, c'est que la nature, dans ses paysages désolés, nous émeut plus profondément que d'autres. Pendant ces journées de solitude, il était rare qu'une pensée quelconque passât dans mon esprit. Nulle forme animale ne traversait mon champ de vision. Nulle voix d'oiseau n'assaillait mes oreilles. Dans le nouvel état d'esprit où je me trouvais, la pensée était devenue impossible. Mon esprit avait soudainement perdu sa nature de machine à penser, pour se transformer en une autre mécanique, destinée à je ne sais quelle fonction inconnue. Penser, du coup, était comme mettre en marche, dans mon cerveau, un appareil bruyant quand il y avait dans ce paysage quelque chose qui m'ordonna de me tenir tranquille. J'étais en suspens, aux aguets, et cependant je n'étais pas en attente de quelque chose.
Le changement qui s'était opéré en moi était aussi grand et aussi surprenant que si j'avais troqué mon identité contre celle d'un autre ou d'un animal. Dans son incapacité à se mouvoir, il a préféré rester dans ce paysage désolé plutôt que les forêts qui grouillent de biodiversité. Car selon lui, je cite, « les bruits, les chants d'oiseaux, la variété des couleurs, des odeurs, l'effervescence de la vie animale sollicite trop nos divers sens. Seule la monotonie des plaines de Patagonie laisse l'esprit assez libre et ouvert pour recevoir, en un éclair, l'illumination du grand tout de la nature. » Les 15 années révolues, remis de sa blessure et transformé spirituellement, il décide de partir vers un autre rêve, celui de l'Angleterre, celui de ses ancêtres, pour y pratiquer la science qu'il avait pu appréhender par ses nombreuses heures d'observation et par les nombreux envois de spécimens de Patagonie en Angleterre. Il se sentait certainement attendu par les scientifiques de Londres qui reconnaissaient son travail malgré son absence d'études. À ce moment-là, il ne sait pas qu'il ne reverra plus jamais la Patagonie. Arrivé à Londres, le désarroi fut grand lorsqu'il se présenta à la Zoological Society, qui le remercia poliment de sa contribution, lui rappelant tout de même qu'il n'était pas chercheur, mais simplement un observateur de Patagonie. Dès lors, il visite les muséums et les parcs et écrit dans sa chambre de Londres. Ses ouvrages seront raillés par la communauté scientifique. Un autodidacte ne s'improvise pas chercheur malgré la contribution apportée. Mais heureusement, grâce à quelques amis scientifiques, dont des lecteurs qui ont adoré ses ouvrages et sa manière d'écrire, il pourra continuer de nous offrir des œuvres dignes des plus grands naturalistes, ce qu'il est finalement. Reconnu, il deviendra l'un des membres fondateurs de la Royal Society for the Protection of Birds. Aujourd'hui, connu dans le monde entier, la délicatesse de son écriture, de ses descriptions et sa narration en font l'un des naturalistes les plus percutants par sa minutie dans le choix des mots et ses descriptions enrobées de poésie. Il écrit comme l'herbe pousse, comme si un esprit d'une finesse et d'une douceur exceptionnelle lui chuchotait ses phrases. Son influence fut considérable sur les jeunes auteurs et sur cette poétique du monde qu'il a su livrer, réenchantant ce qui aujourd'hui est mis de côté, ce grand mystère que reste la nature malgré nos connaissances scientifiques. Selon le romancier anglais Nicholas Shakespeare, lire Hudson, c'est comme voir le monde après une forte averse, respirer ses odeurs, fraîches de nouveau, retrouver les couleurs et se sentir du même coup, intensément vivant. C'est tout pour aujourd'hui, excellente semaine à toutes et à tous, c'était Monsieur Green. Comment c'était? Oh, 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 c'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça quoi, Green, oui. Green, comment? Oh, super Green, aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, Green, tu vois? Mais tu vois le Green, Green absolument, Green, plus Green.